Okay. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir les fanatiques, bonsoir. D'abord, je m'excuse pour cette vidéo. Je n'ai jamais fait de vidéo de ce genre. Mais quand souvent quelque chose est tellement énervant, il faut qu'on puisse faire des vidéos. Parce que ça, c'est notre travail en fait. Avant de commencer à parler, il ne faut pas comprendre qu'il y a des gens qui se réjouissent de la mort de certaines personnes. On sait. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est-à-dire l'utilité des réseaux sociaux. Mais avant de commencer, regardons tout ça. Ok. Chers abonnés de CBK TV Inter, vous comprenez un peu cette désolation venant de... C'est que quand je ne sais pas si, quand nos sœurs vont sur les réseaux sociaux, là, qu'est-ce qu'elles vont chercher? Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la plus grosse télévision mondiale. C'est la télévision qui valorise l'artiste. C'est la télévision aussi qui permet aux commerçants de vendre leurs produits. Ma chérie, de un, tu es clair. De un, tu n'as pas de travail. De deux, tu ne sais pas ce que tu dis. De trois, toi ta vie est résumée seulement qu'à aller dans les maquis et matin tu réveilles, tu rentres chez toi, tu dors, tu réveilles à 17h, tu poursuis encore. C'est ta vie, c'est ça. C'est une chaîne. Tu comprends? Arafat, c'est une icône de la musique ivoirienne. Arafat, c'est pas ton camarade. Arafat, c'est pas quelqu'un que tu peux t'amuser avec lui. Tu comprends un peu? Tu fais une vidéo, moi tu sais. Tu diras après non, c'est parce que je sais pas ce que j'ai fait. Non, tu sais ce que tu faisais très bien. C'est ce que tu faisais très bien. Moi, ce que je peux faire, je n'ai pas encore réchauffé le feu. Je n'ai pas encore enflammé la flamme. Mais ce que je peux dire, je demande pardon aux Chinois, je demande pardon aux Ivoiriens de laisser tranquille. Mais un message à tous nos sœurs, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, pardonnez. Tout ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux, ça vous rattrapera demain. Tout ce que tu écris. Parce qu'aujourd'hui, quand tu mets ton nom sur les réseaux sociaux, je prends un exemple simple. On met peut-être sur les réseaux sociaux, JM que je suis, il s'est battu à Yopougon. Demain, quand je vais chercher du travail, soit tu arrives dans un coin, tu demandes ton nom de Facebook, quand on met tout sort sur toi. Tu comprends? Moi, ce que je te demande, c'est de vous calmer. Pas à toi seul, à toutes nos sœurs. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique, que ce soit partout. Les réseaux sociaux, là, c'est pas pour s'exhiber, c'est pas pour s'amuser. Les informations vont très vite. Et pour toi, tu penses que tu t'amuses? Non. Tu fais une petite vidéo du genre d'amusement, tu mets un statut, et les gens enregistrent, ils amènent, et demain, ça sort, même ça peut sortir même sur France 24. Comprends un peu. Donc, ma chérie, ton nom, on dit, c'est quoi? Fatine, quelque chose. Là. Et puis, ils ont ton nom à l'état civil. Moi, je suis un artiste. C'est un ami qui m'a envoyé ça en tant qu'un artiste que je te donne un conseil. Et moi, c'est un conseil simple que je te donne. Les réseaux sociaux, c'est pas pour venir faire du bocléard, c'est-à-dire se prostituer, mais c'est pour valoriser les artistes. C'est un espace où on vient passer une information. Mais quand toi, tu viens passer une information qui est inaudible, qui est dénuée de sens, en ce cas, tu as tous les problèmes du monde. Je parle puis je tremble sur moi. C'est comment la mort d'Arafat nous a tous fracassés. Ça fait 2 jours que je ne dors pas. Je n'arrive pas à croire. Tu comprends un peu? Donc s'il vous plaît, à tous nos sœurs, évitons certaines vidéos sur les réseaux sociaux. Et tu n'es pas artiste. Toi, tu ne fais que te réveiller un matin, tu viens, tu fais tes mouvements. Et puis voilà, on te donne tes 10 minutes, tu quittes là. Mais quand quelqu'un meurt, et que tu dis, ouais, c'est bien fait, maintenant c'est Debordeaux qui est là. Même si Debordeaux même voit ça là, je ne suis même pas content. Tu penses que Debordeaux est fier? À la fois, tu avais créé un style qui permettait aux autres artistes de se réveiller. Quand il avait dit que Frankie DiCaprio avait du sida, il avait le sida, il n'avait pas sida, c'est pour dire grand frère, tu dors, réveille-toi. Quand il vient, quand il clash telle personne, ça permettait aux autres d'être encore à la page. Quand Yoro n'est pas vu, il essaie d'être à la page. Il crée une situation. C'est un artiste complet. C'est un metteur en scène. C'est quelqu'un qu'on doit beaucoup respecter. S'il te plaît.
Et surtout, vous qui mettez en statue. Vous croyez que vos statues, les gens ne voient pas? Ce que je peux te dire, ma chérie, mes soeurs, mes frères, tout ce qu'on dit là, ça nous rattrape. Moi, quelqu'un ne va pas me voir dans la rue, va me frapper parce que je n'ai jamais insulté quelqu'un. Soit même quand je te fais des vidéos qui sont un peu... que je critique, je voile. Mais toi, tu ne critiques pas, tu fais des bêtises. Évitons cela et que son âme repose en paix.